Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'études de code. Aujourd'hui, on va voir différentes formes de « et ». Le son commun. Quel est le son qui se répète dans ces mots? Canapé. Vélo. Sanglier. Nez. Voilier. Accordéon. Chimpanzé, étoile, panier. Alors, quel est le son qui se répète dans ces mots? Eh oui, c'est le son « et » qui se répétait dans les mots que tu as entendus. Le « et » s'écrit de trois façons, mais se prononce de la même façon. Et, et, et. Ici, on a E accent aigu qui se prononce E. À côté, on a ER qui se prononce E quand il est écrit à la fin d'un mot. Et enfin, on a EZ qui se prononce E quand il est aussi écrit à la fin d'un mot. Alors, pour le E accent aigu, on a le mot écrémé. Il peut s'écrire au début d'un mot, au milieu ou à la fin du mot écrémé. Pour le E qui s'écrit avec ER, on a le mot perle. Ici, ER est écrit au milieu du mot et donc on ne va pas prononcer E. Perle. Perle. Par contre, si le ER est à la fin du mot, là le ER va donc se prononcer E. Papoter. Papoter. La même chose pour le E qui s'écrit avec EZ, il se prononce aussi E quand il est écrit à la fin du mot papoter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ER et EZ se prononcent tous les deux E quand ils sont écrits à la fin d'un mot. Jeu de mots. Maintenant, on va jouer à un jeu. Lève la main si tu entends le son E et croise les bras si tu ne l'entends pas. Voilier, voilier. Canapé, canapé. Canard, canard. Téléphone, téléphone. Sanglier, sanglier. Gomme, gomme. Chimpanzé, chimpanzé. Fraise, fraise. Bravo. Chasse aux mots. Maintenant, peux-tu citer quelques mots qui contiennent le son « et » et essaie de les écrire sur ton cahier. Discrimination visuelle. Montre du doigt la lettre ou les lettres qui produisent le son « et » dans ces mots. Calculer. Calculer. Oh, j'entends le « et » mais je ne vois aucun « e » accent aigu. Ah, j'ai vu tout à l'heure que le E s'écrit de trois façons. E accent aigu, ER et EZ. E. Alors, ici, est-ce que je vois le E accent aigu, ER ou le EZ? Quel E je dois choisir? Ah! Le E avec EZ, c'est bien celui-là. Je l'ai trouvé. Calculer. Nez. Nez. Et. Nez. Panier. Panier. Et. Ici, le « et » s'écrit avec « er » et on le trouve à la fin du mot. Panier.
Étoile. Étoile. Et. C'est le E accent aigu. Étoile. Épée. Épée. Alors, comme on a vu tout à l'heure, le E accent aigu peut s'écrire au début du mot, au milieu ou bien à la fin. Et. Épée. Voilier. Voilier. Et. Voilier. Noter. Noter. Et. Noter. Accordéon. Accordéon. Et. Accordéon. Parler. Parler. Et. Parler. Téléphone. Téléphone. Et. Et. Téléphone. Laver. Laver. Et. Laver. Je lis des lettres. Lisons ensemble quelques lettres. Z. E. A. E. N. M. D. S. R. L. Bravo! Combinatoire. Maintenant, on va construire des syllabes ensemble. Elle et les. Elle et avec ER. Les. Elle et avec EZ. Les. Allez, maintenant, c'est à toi. On monte dans le train. Elle et. Les. Elle et avec ER. Les. Elle et avec EZ. Les. S et E accent aigu. C. S et C. S et C. Très bien. Je lis des syllabes. Les. Né. Ré. Po. Les. P. Po. D. Né. C. Da. P. Très bien. Je lis des mots. On va lire des mots maintenant comme des grands. De. Vi. Né. Deviner. La. V. Laver. Gare. Des. Garder. Ré. P. T. Répétez. Parler. Parler. Râler. Râler. Sauter. Sauter. Admirer. Admirer. Glisser. Glisser. Bavarder. Bavarder. Rêver.
Portée. Portée. Décorée. Décorée. Bravo. Je lis un texte. Vous êtes mon esclave. Lavez tout. Vous ne savez pas dire les formules. Dis-moi un secret. D'accord. Et nous sommes copines. Elle est étonnée. Elles sont devenues copines. Vous êtes mon esclave. Lavez tout. Vous ne savez pas dire les formules. Dis-moi un secret. D'accord. Et nous sommes copines. Elle est étonnée. Elles sont devenues copines. Vous êtes mon esclave. Lavez tout. Vous ne savez pas dire les formules. Dis-moi un secret. D'accord. Et nous sommes copines. Elle est étonnée. Elles sont devenues copines. Bravo! Tu as réussi à lire des lettres, des mots et un texte. Bravo! Allez, à bientôt!